pour l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Le match Côte d'Ivoire-Sénégal devait tourner à l'avantage du pays hôté de la CAN 2023. En regardant bien le match, Didier Drogba n'avait pas tort. Après la victoire bien méritée de la Côte d'Ivoire face au Sénégal, Didier Drogba a fait un geste incroyable et a offert une somme colossale aux éléphants. La suite après le générique. Dans l'histoire de la CAN, les éléphants et les lions de la Teranga n'ont croisé le fer qu'à deux reprises seulement, tout à l'avantage de la Côte d'Ivoire. C'est d'abord en 1965 en Tunisie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal s'affrontent lors d'un match pour la troisième place. Konan Yaboué inscrit à la 35e minute l'unique but de la rencontre, offrant la médaille de bronze aux éléphants. La seconde rencontre a eu lieu lors de la CAN en 1986 en Égypte. Logé dans le groupe A, en compagnie de l'Égypte, pays hôté, la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'affrontent lors de la dernière journée de phase de poule. Les lions sénégalais n'ont besoin que d'un point pour valider leur billet pour les demi-finales, alors que les éléphants doivent absolument l'emporter pour espérer poursuivre la compétition. Grâce à un but de Abdoulaye Traoré, encore appelé Ben Badi, à la 71e minute, la Côte d'Ivoire élimine le Sénégal et valide son ticket pour le tour suivant. Pour Didier Drogba qui fait allusion sûrement sur ses performances passées, la sélection ivoirienne devrait se donner à fond car tous les pays comptent sur elle. Quand on a encore une occasion de se racheter après ce qu'on a vu face à la Guinée équatoriale, il faut le saisir, exhorte Didier Drogba. Hier encore, les éléphants ont affronté le Sénégal au tir au but après un match difficile et rude alors que tout semblait perdu pour les Ivoiriens. Ils ont bien mis les conseils de Didier Drogba en place. Et pour cela, l'ex-capitaine de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a décidé de leur offrir une somme de 400 millions de francs CFA. Ils l'ont bien mérité, n'est-ce pas? Alors selon vous, la Côte d'Ivoire auront-ils une chance de remporter la prestigieuse trophée en or le 11 février? Laissez vos réponses en commentaire. Bye bye!